بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 6 sur le cours de l'arithmétique niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. N est un élément de l'ensemble N. Étudiez la parité des nombres suivants. 8N plus 10, 20N plus 13, N au carré plus N, 8N au carré moins 6N. Prenez votre cahier des exercices comme d'habitude, écrivez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. C'est-à-dire, vous allez me dire, par exemple, 8N plus 10, est-ce qu'il est pair ou impair, en se basant sur une démonstration juste. Allez-y. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Commençons par 8N plus 10. 8N plus 10. Pour savoir la parité de ce nombre, bon, il y a plusieurs façons. Moi, je vais choisir une façon plus simple. Regardez, je peux écrire ce nombre 8n plus 10 sous forme d'un produit. Donc ça donne, il y a un facteur commun qui est égal à 2. Comme vous voyez ici, 8 c'est 2 fois 4, 10 c'est 2 fois 5. Donc je peux écrire 2 facteurs de 4n plus 5, n'est-ce pas? Donc j'ai écrit 8n plus 10 sous la forme d'un produit de 2 et d'un autre nombre entier naturel qui est 4n plus 5. Par conséquent, 8n plus 10 est un nombre pair. Donc je vais écrire ici, posons, si vous voulez, 4n plus 5 est égal à k. Donc, 8n plus 10 est égal à 2k. Par conséquent, 8n plus 10 est pair. Je peux faire encore une autre démonstration plus simple. La voici, autrement dit, ou bien d'une autre façon, si vous voulez bien. D'une autre façon, huitaine est pair car 8 est pair tout simplement. Quel que soit n, que ce soit n pair ou impair, 8n sera toujours un nombre pair. Parce que vous savez bien que le produit de deux nombres qui n'ont pas la même parité est toujours un nombre pair. Et le produit de deux nombres pairs est aussi un nombre pair. Donc si n est pair, 8n est pair. Si n est impair, 8n restera pair. Et 10 pair. Donc, 8n plus 10 est pair. Car la somme, si vous voulez bien, car la somme de deux nombres pairs est pair. Et moi, je préfère la première démonstration. 8n plus 10 est égal à 2 facteurs de 4n plus 5. Je peux donner le résultat dès la première ligne. Au lieu de remplacer 4n plus 5 par k,
je peux dire directement que 8n plus 10 est pair, car elle est égale à 2 facteurs de 4n plus 5, tout simplement. Bon, maintenant, on va étudier la parité de 20n plus 13. Donc, je peux mettre cette écriture mathématique sous la forme de 2k plus 1. Vous allez voir. 20n plus 13. 13, c'est 12 plus 1. Je fais ce truc-là. 13, c'est 12 plus 1. Donc, maintenant, je peux ici factoriser par 2, ça donne 2 facteurs de 10n plus 6 plus 1. Donc je peux appeler cette somme k, je vais écrire ça, posons. تغيير الطريقة ديال البرهان باش تعلم عدة طرق لإنجاز التمارين. Posons 10n plus 6 est égal à k. Donc, 20n plus 13, il a la forme de 2k plus 1. Par conséquent, vingtaine plus 13 est impair. Une autre démonstration, elle est aussi simple. 20n est pair, puisque 20 est pair, n'importe quel n, 20n est pair, que ce soit n pair ou impair, parce que le produit de deux nombres pair est pair, le produit de deux nombres l'un pair, l'autre impair, restera pair. Donc ici, vous avez un nombre pair, plus 13 qui est impair, n'est-ce pas? Un nombre pair plus un nombre impair donne un nombre impair. Vous voyez? Donc je vais écrire cette démonstration si vous voulez bien. 20n est pair car 20 est pair. Si vous avez un produit dont l'un des facteurs est pair, alors tout le produit est pair. Et 13 est impair. Donc, 20n plus 13 est impair. Car la somme de deux nombres n'ayant pas la même parité est impair. C'est-à-dire si l'un des deux est pair et l'autre impair, alors la somme est impair. Maintenant, on va étudier la parité de n carré plus n. Ici encore, il y en a plusieurs façons de répondre à cette question. Je vais choisir la plus simple. Vous avez ici un facteur commun, lequel? Oui, c'est n. Donc, n facteur de n plus 1. Vous êtes maintenant devant deux nombres successifs. Leur produit, elle est comment? Oui, elle est toujours paire. Le produit de deux nombres successifs est toujours pair. Parce que tout simplement, si n est pair, n plus 1, ça sera impair. Donc vous avez le produit de deux nombres qui n'ont pas la même parité. Donc le résultat est toujours pair. Puisque n et n plus 1 sont deux nombres
successifs alors leur produit est pair. Conclusion, n au carré plus n est pair. L'autre méthode, elle est un petit peu plus longue. On va discuter deux cas, si n est pair, si n est impair. Si n est pair, elle a la forme de 2k, et vous allez remplacer n par 2k, et vous allez voir que n carré plus n donnera un nombre pair. Le deuxième cas, si n est impair, alors on peut mettre n est égal à 2k plus 1, et vous allez remplacer, et vous allez trouver finalement que n carré plus n est égal au produit de 2 avec un autre nombre naturel. Mais cette méthode, c'est la plus facile. Passons au dernier exemple, 8n carré moins 6n, donc je vais factoriser par 2, ça donne 2 facteurs de 4n au carré moins 6n. Posons 4n au carré moins 6n est égal à a, je change un petit peu, au lieu de dire k, je vais prendre a, donc 8n au carré moins 6n est égal à 2a. C'est-à-dire 8n carré moins 6n est égal au produit de 2 avec un autre nombre entier naturel. Autrement dit, 8n carré moins 6n est un nombre pair. Conclusion, 8n carré moins 6n est un nombre pair. Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur de la CFM2 du collège Bourg Zeitoun, Marrakech. Au revoir.